Donc, on se retrouve ici. Eh bien, bonjour à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique. Et bienvenue dans ce 17e épisode de notre aventure sur Bloodborne en BL4. Donc, comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, je vous ai pas montré le truc. Je l'ai capturé quand même au cas où je verrai un petit truc, une petite timelapse qui va bien, histoire d'arriver jusque-là. C'est pas hyper long, mais bon, en soi, voilà. Bref, du coup, on se retrouve ici, disais-je, juste devant ce boss, qui sont donc les expériences ratées. Donc bien entendu, moi, j'ai changé mes runes, enfin mes gemmes. Est-ce qu'on peut les voir quelque part là-dedans? Non, on peut pas les voir. Enfin bref, j'ai changé les gemmes de sang pour enlever, parce que j'avais des gemmes qui m'enlevaient des dégâts sur les êtres cosmiques. Donc du coup voilà, je les ai changés histoire d'avoir un maximum de dégâts contre ces saloperies. On a des papiers de foudre, on a 23 fioles de sang, on a tout ce qu'il faut, donc c'est parti. Petit boss qui va bien. Enfin qui va bien, non, en réalité. C'est clairement un boss qui va me gaver plus qu'autre chose. Déjà parce que je vois les dégâts qu'ils font, c'est complètement abusé. Comparé à ce que moi je fais comme dégâts. Voilà, faut que je fasse gaffe à ça. Bon, ça risque d'être très long encore une fois. Ouh, je l'ai échappé bête celle-là. Il va falloir qu'on y aille doucement quand même. Manion, de toute manière, comme j'ai dit, c'est un combat qui risque d'être très long. Donc, je risque probablement de mourir plusieurs fois d'ailleurs durant ce combat. Vous voyez, je fais quand même pas énormément de dégâts. Puis j'ai l'impression que mes papiers de foudre n'aident pas tant que ça en fin de compte. Hein. Je parle pas parce que bon, pas grand chose à dire. Hein. À part le fait que je prends la bite. Oh là là. Voilà. Donc, ça va être long. Je pense que vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit 15 000 fois durant l'aventure principale, ainsi que même au début de... à la fin de l'épisode précédent. J'aime pas ce boss. J'ai l'impression de le dire souvent dans cette aventure. Sauf que... Non mais lui, vraiment, je l'aime vraiment pas. Je ne l'aime vraiment pas. Et en plus, le chemin, vous voyez, ça prend un petit temps pour y aller. Enfin bref, toujours est-il que du coup, voilà, comme d'habitude, là, j'ai fait qu'un seul essai. Je vais arrêter de commenter. Je vais le faire de mon côté et on verra par la suite. Lui, je sais que je vais le battre, c'est juste que ça va être très long. Ça va être un combat de 10 minutes qui sera chiant. Voilà. Donc, à tout à l'heure. C'est pas plus compliqué que ça. Oh, fais chier. Derp 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 der
Right there.
Ah putain, il m'aura quand même demandé 24 essais ce petit saligo là. L'expérience ratée. Je me répète, mais j'aime pas ce boss. Je le trouve raté. Là pour le coup, ouais, expérience ratée, il. Bah, il porte plutôt bien son nom, quoi. Je le trouve vraiment raté. Il est pas intéressant. C'est, enfin, c'est. T'as l'impression que les développeurs, ils en ont mis plusieurs qui pop à l'infini parce que, bah, tout seul, c'est de la merde, ce boss. Tu t'en affrontes juste un tout seul, c'est de la merde. C'est tout. Bref, on l'a vaincu. Je dois vous avouer que je suis allé voir sur internet au bout de quelques essais pour essayer de trouver une quelconque technique pour le battre plus simplement, parce que il me saoulait, j'avais pas envie d'y passer je sais pas combien de temps encore. Bref, du coup vous avez pu voir que je l'ai battu d'une certaine façon, en fait effectivement j'ai pu remarquer que ce boss est buggé en fait, tout simplement. Quand on arrive dans le combat de boss, faut buter le premier, et après on se concentre sur celui qui était là-bas au bout, là, qui réapparaît à l'infini, et en fait quand on attaque lui, les autres ne se préoccupent pas de nous. En fait, il ne nous attaque pas, vous avez pu le voir. C'est buggé. Je sais pas. Enfin, non, c'est pas buggé techniquement. C'est juste que, voilà, du coup, ce boss devient beaucoup plus simple. Ceci dit, j'ai quand même réussi à me faire. À me faire pourrir la tronche malgré tout ça. Avec quelques fails de ma part et quelques tricheries de la part du jeu. Parce que ce jeu est un jeu de tricheur. De toute manière, il n'y a pas. Voilà. C'est la mauvaise foi qui l'emporte, hein, de toute manière, avec ce genre de boss. J'en profite pour regarder un peu le décor là. Parce que c'est vrai que j'ai jamais fait le tour de ce décor quand on est à l'extérieur. On est rarement à l'extérieur en fait. Enfin, non, je veux rien dire en fait. Je dis de la merde là. On est tout le temps à l'extérieur en fait dans ce DLC. Bref, du coup, ça, c'est fait. L'expérience ratée, c'est terminé. On se retrouve face à cette magnifique et délicieuse porte qui va nous amener directement au combat contre Lady Maria. Bien entendu, vous connaissez la musique, on verra ça dans le prochain épisode, chers amis. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous remercie bien entendu d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ça aurait été un court épisode, mais si tu veux, ça fait pas de mal sur la chaîne, ça change par rapport à d'habitude. Ça vous évitera de vous plaindre d'avoir des épisodes trop longs. Voilà, c'est gratuit, c'est dit, c'est fait. Des bisous à tous, chers amis, et à la prochaine. Allez, ciao, ciao, et surtout, portez-vous bien, bien entendu. Bye!